les amis, aujourd'hui je vais vous parler de mes artistes préférés, des sites mes sites de référence, ce qui m'aide à booster mon imagination, des livres que j'ai et avec lesquels j'ai plus ou moins appris à dessiner. Alors, on va commencer par mes artistes préférés. Donc, je vais vous les citer et je vais essayer pendant le montage de vous mettre des photos de ce qu'ils font et vous aurez tous les liens dans la description. Donc pour mes artistes préférés, il y a Polignac, Nashi, Lord Gris, Loïch, j'aime très bien ce qu'elle fait Loïch, j'adore. Lisgan aussi, j'adore. Lisgan Art Blog. Il y a The Art of Erika Wiseman, Rodgon The Artist, j'en ai déjà parlé aussi, Rodgon, j'adore ce qu'il fait, c'est un peu cartoonesque. Il y a la The Corp Academy, alors c'est pas vraiment un artiste, c'est comme une académie pour apprendre à dessiner, mais j'aime bien ce qu'ils font. Il y a The Ventura Art Book, qui je pense, The Ventura a dû se faire pirater son compte d'ailleurs Facebook. Il va falloir que je lui envoie un message parce que j'ai des drôles de trucs qui apparaissent. Il y a Chris Isulo, Chat Dessin, Camila Derico qui est assez connue. Je pense que certains d'entre vous qui n'est pas trop dans le monde du dessin doivent connaître Camila Derico. C'est assez connu comme dessin. Il y a Japan Art. Alors, Japan Art, c'est, je ne pense pas qu'il soit, enfin, la plupart que je vous dis, vous les connaissez peut-être pas, mais Japan Art, je le connais de par le groupe groupe Facebook que je suis, où on fait les concours de dessin. Enfin, je le connaissais déjà d'avant, je l'avais eu en proposition par Facebook, et je pense que c'est peut-être grâce à sa page que j'ai vu qu'il y avait un groupe. Ouais, je crois que c'est ça. J'aime bien ce qu'il fait. Il y a Marie-Élix, Caroline Pietrowski, Poppycat et Midam. Midam, j'adore. Il est connu, Midam, hein, c'est celui qui fait les BD Game Over. Game Over. Et puis. Oh mince, je retiens pas le nom. Je recherche. Alors, ma souris, elle est où? Elle est là. Hop. Midam. Image. Comment que ça s'appelle le petit bonhomme là? Oh, ben j'ai un trou de mémoire. Kid Paddle. Voilà, c'est ça. Kid Paddle. Et Game Over. J'adore ce qu'il fait. Si vous connaissez pas, franchement, ça vaut le coup d'aller regarder ce qu'il fait. C'est cartoon en plus. Enfin, c'est BD cartoon. Donc ensuite, donc voilà la plupart des artistes que je suis vraiment sur, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Ils m'aident enfin, ils m'aident à avoir ma petite patte personnelle, quoi. Enfin, ils me motivent, ils me boostent dans mon imagination. Voilà, ensuite il y a mes livres. Donc alors mes livres, je vais commencer par les moins bien au mieux. Alors, donc ça va prêt. Donc mes livres. Tout d'abord, alors ça va être embêtant parce que je vois pas ce que je fais du coup. Je vais vous bouger un petit peu. Hop, désolé. Donc, il y a celui-ci. Le cahier du dessinateur. Personnage, 50 modèles pour débuter. De Lise Herzog. Les éditions Mango. Donc, voilà, débutons. Et bah, c'est mon mari qui me l'a offert, celui-là. Comme ça, parce qu'il avait envie. Et oui, ça aide un peu à trouver des postures, tout ça. Je vais vous montrer un peu là le sommaire et quelques pages.
Voilà. Bon, je m'en sers un petit peu. C'est pas mon préféré, mais ça aide. Alors là, c'est mes moins préférés. Donc celui-ci. Et celui-ci, c'est... Excusez-moi. Et celui-ci. Alors, déjà celui-ci. Le dessin crayon hors série guide complet dessiné avec les chats. Il n'y a pas d'édition, je crois pas. Je l'ai eu à la maison de la presse. Hein. Voilà la première page. C'est vraiment pour apprendre à dessiner des chats. Je m'en sers pas du tout. En fait, celui-là et celui-là. Enfin, celui-là, je l'aime bien, je m'en sers. Mais ces deux-là, je les ai achetés pour avoir les boîtes où je range mes crayons. Ils n'étaient pas très chers. J'avais un feutre avec des crayons de papier et le livre et un taille-crayon. Donc, avec la lampe, c'est pas top. Voilà. Non, c'est pas mieux. Voilà. Donc, voilà, les bases du dessin à l'encre au feutre pinceau. Donc, je vais vous montrer quelques... Voilà. Là. Donc ces deux-là, je les utilise pas. Enfin, pas pour le moment en tout cas. Peut-être qu'un jour. Ensuite, celui-ci, c'est un de mes premiers que j'ai eu. Je l'ai eu à la maison de la presse aussi. Le dessin de manga. Donc les dessins de manga, ça doit être l'édition, je pense. Spécial guerrier, 22 réalisations. Ouais, voilà. Il n'y a pas... Donc, voilà un peu tout ce qu'il y a dedans. Et moi, j'ai dessiné... Laquelle que j'ai dessiné? Elle est où ma petite... Non, c'est pas dans celui-là que j'ai dessiné quelque chose. Donc c'est pareil, voilà. Ça donne des aides en plus. Hein. Ah oui, non, c'est pas celui-là que j'ai dessiné. Voilà. Ah si, c'est celle-là que j'ai dessinée. Elle n'est pas en couleur. Et je l'ai dessiné il y a déjà un an, je crois, il y a plus d'un an. Donc voilà un peu tout ce qu'il y a. Il est sympa aussi. Quand on débute, c'est pas mal. Ensuite, donc on va arriver dans les livres qui m'ont le plus aidé. Donc il y a celui-ci. Que j'ai eu, je crois, si je me trompe pas, sur Amazon. Je suis pas sûre. Non, sur la Fnac. Que j'ai eu sur la Fnac, les bases du dessin manga en 23 leçons, les éditions ESI, 8,90 €, hein, vous voyez, ISBN si vous voulez, voilà, donc il est pas mal, il explique bien, mais dans la plupart des bouquins que j'ai achetés, en fait, c'est toujours la même chose, hein. Mais bon, des fois, ça diffère, les explications peuvent différer un peu. Voilà, est-ce que je peux survoler comme ça? C'est avec celui-là que j'ai commencé à apprendre à faire mes mangas, tout ce qui est plus les mains et tout ça. C'est avec celui-là. C'est un des premiers livres, vraiment gros livre que j'ai eu et qui expliquait bien. Ensuite, après, j'ai acheté sur la Fnac aussi ces deux-là. Alors, celui-là, Ton monde en manga de Sonia Leong. Transforme tes photos en manga, les éditions Erol, et de toujours Sonia Leong, le dessin de manga,
un guide complet pour apprendre toutes les techniques. 28 tutos vidéo accessibles en ligne, des éditions Vigo. Alors, je vais vous montrer celui-là en premier. Celui-là, on va dire que pour moi, je le trouvais pas fini. Enfin, il m'a pas appris. Enfin, c'est pas qu'il m'a pas appris grand-chose, mais c'est pas celui que j'utilise le plus. Il est sympa. Il est sympa à lire. Alors, voilà le sommaire. Donc, voilà toutes les sortes de mangas, le shonen, alors, je sais pas si je le dis bien. Shoujo, Seinen, Josei, Kodomo, Chibi. Quand je vous parlais des chibis dans mes vidéos précédentes, que je disais, il y a d'autres styles de manga. C'est ben voilà, c'est tous les styles. Je vais pas vous montrer le livre en entier, mais je vais vous montrer le début. Donc, l'intro. Il a des belles images, ce livre-là. Ça peut être un bon boost pour l'imagination. Mais par contre, le titre, Ton monde en manga, enfin, je trouve que ça explique pas forcément bien les choses. Ça explique comment faire un manga comme les autres livres, mais après, je sais pas, je ne l'ai pas trouvé. Enfin, c'est comme s'il n'était pas fini comme livre. Alors. Voilà, shonen. Donc, c'est ce style-là. Ensuite, le shoujo. Donc, ça vous explique hein, c'est quoi les différences entre les shonen, les shoujo, les chibi. Alors, c'est plus. Voilà, c'est ce style-là, shoujo. Ça, je pense que peut-être que je vous referai une vidéo pour vous expliquer les différents. Les différents styles de manga. Ensuite, Seinen, pardon. Ensuite, les Josei. Oh là, les Komodo. Kodomo, pardon. Ah, c'est plus cartoon là. Ça, c'est plus mon style. Manga un peu cartoon. Les animaux. Je crois que j'ai dû passer des styles. Hop. Saona. Les chibis. Ça, c'est assez connu, les chibis. Vous tapez sur Google chibi, vous allez en avoir plein différentes. C'est un peu enfantisé. Les personnages un peu enfantisés, c'est les personnages très simples. Généralement, les chibis, voilà, ils ont pas de nez. Même normalement, la forme des mains, il n'y a pas. Voilà. Donc voilà pour le Dessine ton monde en manga. Alors, celui-là. Celui-là, il m'a super plu. J'ai adoré. Le dessin des mangas. Le guide complet pour apprendre toutes les techniques. Voilà, Sonia Léon Vigo. Donc les chapitres.
C'est pareil, je vous mettrai les liens en dessous, en description, pour où je les ai eus. Donc ceux-là, c'était la FNAC. Après, je crois qu'on peut les trouver sur Amazon, je sais pas. Je pense que ça se trouve quand même. Il est assez complet comme livre, celui-ci. En plus, vous avez des QR codes. Et avec ces QR codes-là, bah, vous avez des petites vidéos pour vous expliquer comment le dessiner. J'essaye de ne pas aller trop vite, mais bon, je ne vais pas vous montrer tout le livre entier, hein, parce que c'est pas cool rien que pour le. Vous voyez le QR code? Et ça vous explique la façon de faire un visage. Et donc ça reprend la vidéo que j'ai faite vendredi, je crois. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai postée. Vendredi, je crois. Sur le tuto du visage de face. Voilà. Et là, vu de profil, que je vous ferai peut-être une petite vidéo tuto aussi. Hein, les profils. Voilà. Oh, bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais on va le parcourir comme ça à peu près. Les yeux, différents yeux, les différents nez, menton, les expressions. Donc, il y a la façon de faire ces personnages et aussi comment créer une BD dedans. Les cheveux. Les proportions du corps. Les muscles. La perspective. Bon, alors ça, la perspective, comptez pas sur moi pour vous apprendre des choses. Parce que pour le moment, j'ai encore du mal. J'ai encore énormément de mal, la perspective. Il va falloir que je trouve un bon livre ou un bon cours pour m'apprendre ça. Parce que j'ai encore du mal. Voilà, donc là, ils reprennent, comme dans l'autre livre, les styles shonen, shoujo, chibi. Donc, les morphologies. Dessiner plusieurs personnages. Il est vraiment complet comme livre. Créer son personnage. Les vêtements. J'essaye de mettre au mieux mon téléphone. Chaussures, accessoires, les armes. Les véhicules. Les animaux. Les inspirations animaux. Ensuite, cadre. Donc ça, c'est tout ce qui est perspective. Faut faire que je relise un peu dans celui-là, mais que je trouve quelque chose peut-être de plus. Je sais pas. J'ai encore du mal avec la perspective. Peut-être parce que je veux rester dans ma zone de confort et j'essaye pas. La nature. Technique de rendu. Les couleurs. Les ombrages. Après les techniques crayon de couleur, feutre, tout ça, aquarelle, voilà. Et puis là après, hop là, j'ai passé plein de pages. Marqueur. Étramage. Voilà, ça explique vraiment plein de choses. Même les techniques numériques. J'en passe. Et après, à la fin, il y a une galerie de personnages. Voilà. Voilà. Et comment faire sa BD aussi. Donc, si vous voulez l'ISBN. Voilà. Ensuite, les deux derniers livres. Alors, volume 1, volume 2. Voilà. Alors, ceux-là. J'espère que je vous remue pas de trop. Ceux-là, je les ai achetés.
ça a commencé sur Facebook. En fait, j'avais proposition de 21 draws, donc qui proposaient d'aimer leur page. Donc j'ai été aimée, je les ai suivis pendant un moment. Et en fait, j'ai vu qu'ils vendaient des livres, plusieurs livres. Hein. J'en ai que deux, mais ils en ont plusieurs. Et donc, celui-ci, c'était le premier qu'ils ont fait. Et celui-ci, c'est le tome 2 qu'ils ont fait cette année, pas 2022, mais 2021. Donc celui-ci, donc manuel de 21 draws, illustrateur, édition spéciale. Il n'y a rien derrière. Donc, ils viennent de loin, en fait. Je les ai commandés, les deux livres, en octobre, début octobre, je crois. Bon, celui-là était en précommande. On m'a dit, donc quand j'ai commandé, on m'a dit, il arrivera aux environs du 5 novembre. Et novembre passe, toujours rien, j'envoie un mail. Ah ben non, il est toujours pas fait, ce sera qu'au 5 décembre. Et décembre passe, toujours rien, toujours rien. Je passe les fêtes, puis aux environs, enfin un petit peu avant le nouvel an, j'en renvoie un mail, je leur dis j'ai toujours pas reçu mes livres, quand est-ce que je vais les recevoir, enfin. Et là, ils me disent, ben si, oui, ils viennent de partir aujourd'hui, comme de par hasard. Je reçois le mail de comme quoi qu'ils étaient bien partis, et pendant, je les ai reçus février, que je les ai reçus. Seulement. En fait, donc, ils sont partis en décembre, mais ils étaient bloqués, je pense, et moi, je les harcelais de mails parce que, bon, bah, au bout d'un moment, ça commençait à faire long. Et en peu de temps, ils sont arrivés après. Une fois que je les ai harcelés de mails, ça arrivait peu de temps après. Et je pense qu'ils devaient être bloqués à la frontière. Et de base, je crois qu'ils partaient de Hong Kong. Mais c'est un site américain. Donc, pareil, hein, le prix de ces livres-là, par contre, je pense que si vous voulez vous les acheter, il faut faire sa petite cagnotte. Hein. Donc, voici le contenu. J'ai les survolé. Après, sur YouTube, vous cherchez... Il y a des vidéos où on voit un peu tout ce qu'il y a dedans. Les remerciements... Ça, je vous laisserai lire si vous l'achetez. Matériel. Deux dessins anatomiques. Voilà. Donc, c'est pareil. Hein. C'est un peu comme le livre juste avant. Ça explique comment dessiner des personnages. Et dedans, dans cela, on retrouve certains artistes que j'aime, que je vais vous mettre en description les liens. Mais dans ce livre-là, vous allez retrouver certains artistes comme Rodgon et j'ai pas retenu son nom. Est-ce que c'est un nom ? The Art of Erica Wiseman. Et peut-être d'autres, hein, mais j'ai retenu ces deux-là. Donc voilà. Style dessin animé. Moi, c'est pareil. Voilà. C'est des tutos pour apprendre à dessiner. Après, je vous avoue, c'est parce que je les ai achetés parce qu'ils me plaisaient. Et j'en avais marre de chercher sur internet à chaque fois quand je voulais. Des idées en fait, et parce que tous les tutos qu'il y a dans ces livres là, enfin toutes les explications, vous pouvez les retrouver sur Google gratuitement. Voilà, perspective. Le pire, c'est que je vous dis perspective, j'ai du mal, pourtant dans tous mes livres il y en a, mais je sais pas, ça rentre pas. Les compositions, les textes à l'illustration et les artistes. Maintenant, on va en voir quelques-uns. Donc, après, on voit pas ce qu'ils font, mais
C'est pour vous montrer. Andy Bishop, Lindman, Jamba, Charlie Bowater, Lorenzo Errington, Ganzoman, Jaza, Kim Jun, Loïch. Loïch, j'ai connu. Loupidaï. Loïch, si vous avez une tablette iPad et que vous avez Procreate dessus, enfin, moi sur la mienne, je l'ai eu. J'ai eu des dessins de Loïch en cadeau que l'on trouve dans le bureau quand on installe Procreate. Procreate. Warren Lowe, Rake, Steve Rude, Gérald Sandoval, Raoul Trevino et Otto Schmidt. Voilà, et la fin du livre. Ensuite, l'autre. Je dirais qu'ils se complètent, hein, plus ou moins, les livres. Après, il y a des trucs qui se répètent, mais ils sont quand même complémentaires. On va dire que celui-là, je l'ai lu en une journée, je crois. À peu près une journée. Un peu comme rester sur ma faim. Je trouvais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas approfondies. Après, il y a celui-là. Bon, je vous avoue, après, c'est peut-être moi. Hein. Souvent, je reste sur ma faim, toujours. Donc, voilà le contenu. Voilà, donc Erika Wiseman, que j'ai dans mes artistes. Voilà ce qu'elle fait. Ouais, c'est bien, moi, vous allez voir certaines images parce que les artistes que j'aime sont dedans. De base, certains artistes que je connais, enfin que j'aime, que je connais pas, non, pas personnellement, mais je veux dire que j'aime et que je suis sur Facebook, tout ça, c'est parce que j'ai suivi la page de 21 Draw. Alors, je vais essayer de... Parce qu'avec une main, c'est pas évident. Voilà. Bon, alors, là, c'est beaucoup du numérique. Donc, ce qu'elle fait, c'est son personnage. Ensuite, Randy Bishop. Voilà ce qu'il fait. Alors, il vous montre, dans ce livre-là, vous avez chaque artiste qui vous montre son style, mais en même temps qui vous donne des astuces, puis qui vous explique un peu comment faire. Et toujours le petit... Alors, là, sur ce livre-là, enfin, moi, j'en ai fait qu'un, du coup, j'ai pas fait tous, mais je pense que c'est pour tous pareil. Ça vous envoie sur donc 21 Draw, mais c'est pour des cours qui sont payants, en fait. C'est pas gratuit. Mike Schneider. Ah, j'arrive pas à tourner les pages. Parce que comme ça, ce sera plus simple. Donc voilà, ça explique tout. Mais tout est dans celui-là, beaucoup sont numériques. Là, il nous a mis son carnet de croquis, monsieur, dans ce livre-là. Voilà.
Rodgun. Alors là, lui, j'adore ce qu'il fait. Il fait partie de mes artistes préférés. Vraiment cartoonesque. Et j'adore. Et lui, il dessine avec rien. Souvent, il dit, moi, je prends un petit... Alors, il n'est pas français, mais Google Traduction nous aide bien. Il dit tout le temps, je prends un petit carnet, un stabilo. Des fois, il dessine avec des crayolas pour enfants. Un stylo et un crayon de papier. Voilà, c'est tout ce qu'il utilise. Donc lui, c'est plus le style cartoon. Ouais, moi j'adore tout ça, un peu cartoon comme ça, j'aime bien. Puis son petit animal, là, il est trop mimi. Là, ensuite. Donc dedans, il y a des artistes que je ne connais pas forcément, puis qui me donnent pas envie de suivre forcément. Après, je ne dis pas qu'ils dessinent mal, hein, mais au contraire. Mais c'est parce que c'est pas forcément des fois mon style. Donc voilà, ça vous explique comment créer des scénettes en dessin. Après, chacun son style et peut-être sa façon de faire, je pense. Moi, je sais qu'il y a certaines façons de faire qui me plaisent moins que d'autres. Du coup, des fois, je prends un petit peu de tout et je fais à ma sauce. Et c'est ça, je pense, qui fait un peu notre façon, qui nous donne notre style de dessin. Voilà. Ebenito. Donc là, elle va expliquer plus sur les ombres. Les couleurs. Alors, ce sont pas ses dessins à elle, hein. C'est, je crois que c'est des dessins qu'elle aime bien, dont où les couleurs passent super bien. Sistocart, c'est elle, ça. Ah, Sistocart. Ça, c'est elle. Ça, c'est elle. Voilà. Donc les différents artistes avec leur petite touche. Et voilà. Donc voilà, 21 draws, c'est un site, hein. Et vous pouvez avoir donc soit les fameux livres, soit vous pouvez avoir des cours aussi. Après, c'est pas français. Donc je sais pas si les cours, il y en a des français ou pas. Je crois que si. Les livres, il faut quand vous vous inscrivez sur le site, bien mettre déjà français. Pour si vous voulez commander les livres, pour être sûr d'avoir les livres en français. Alors, maintenant, je remets le téléphone là. Voilà. Donc ouais, voilà. Donc c'était mes livres. Ensuite, donc je pourrais pas forcément vous le montrer là, mais je vais essayer de le mettre sur la vidéo. Les sites, mes sites de référence. Alors, les sites de référence, moi je vous dis Google déjà. Google, franchement, vous trouvez plein de choses. Donc tapez recherche posture. Je sais pas, manga, œil, manga, cheveux, manga, pied, main, tout ce que vous voulez chercher, Google vous donne. Ensuite, il y a Pinterest, que j'ai pas mis dans ma liste, il faudra que je rajoute. Pinterest, qui a aussi une belle banque d'images pour le dessin. Ensuite, il y a Pexel, P-E-X-E-L.
xel.com. C'est un site de banque d'images. Je crois que c'est libre de droit en plus les images. Et c'est pareil, c'est avec ce site-là que j'ai repris la posture de mon dessin Sangoku. Oui, c'est sur ce site-là. Ensuite, donc là, c'est pas des banques d'images, enfin, c'est pas des sites. Enfin, si, c'est des sites, mais c'est pas pour avoir des images. Là, c'est plus pour les cours. Donc, il y a Inari Sensei. Donc, Inari, Inari. Et Sensei, c'est Sensei. Donc, là, c'est des cours où il y a des cours de dessin en manga. C'est gratuit, je crois. Oui, si, c'est gratuit, Inari Sensei. Ensuite, il y a Domestika. Domestika, c'est payant. Mais ils font des grosses, grosses réductions. Là, pour la Saint-Valentin, j'en ai vu des grosses de plus de 50%. C'est pas très cher. Donc, c'est pareil, c'est des cours et aussi une communauté. Et vous pouvez apprendre de toutes sortes de choses à Domestika. Aussi bien le dessin que je crois qu'il y a aussi du crochet. Enfin, c'est un peu. C'est un gros site. Bah voilà, je crois que j'ai fini avec la plupart de ce que je voulais vous dire. Donc je vais essayer de faire le montage et au moins que vous ayez chaque nom que j'ai dit, vous ayez une image. Sinon, ben, il faudra que je recommence ma vidéo peut-être. Non, je. Sinon, ben, de toute façon, je vous mets les liens en description. Si j'arrive pas à mettre les images, vous aurez quand même les liens en description. Oui, j'ai fini. Et là, la prochaine vidéo, ben, j'essaierai de la sortir. Peut-être pas mercredi, peut-être jeudi, je sais pas encore. Faut que je voie avec mes rendez-vous et tout ça. Mais je vais essayer de la tourner dans ces environs-là, entre mercredi et jeudi. Ce serait sur quoi? Je ne sais pas encore. Il faut que je trouve. Ce sera la surprise. Ah ben non, je sais, si, en plus je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, ce sera la colorisation de la tête de vue de face que j'ai fait le vendredi. Donc ce sera ça, la colorisation. Voilà, j'espère que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ben, à aimer aussi ma page, à aimer ma chaîne YouTube. Et à partager. Et à parler de moi. Ça pourrait aussi faire avancer un peu les choses. Merci beaucoup. À bientôt.